ça se fait que pour la pâtisserie. Et la Tunisie participe pour la quatrième fois. Ça va se passer en janvier. Et bon, malheureusement, les autres fois, malgré qu'on a eu des prix, qu'on était classé premier en chocolat, bon, ça n'a pas été médiatisé. Mais en fait, les concours, c'est un excellent moyen pour que nous, en Tunisie, on arrive un tout petit peu à vendre notre image. Nous, on est parti en 2011, juste après la révolution, on est parti le 21 janvier 2011. On a tenu à ce que notre drapeau soit présent, à ce qu'on participe, on a laissé nos familles le 21 2011, hein, c'est-à-dire ce couvre-feu. C'était un risque. Oui, on avait un seul spectateur. La moitié de l'équipe était coincée en France pendant les événements. Nous, on a laissé nos familles ici, on est parti. Moi, personnellement, ma femme était enceinte et tout ça. Et on s'est dit, allez, il faut, mais malheureusement, après, ça n'a pas été médiatisé. Bon, bref, maintenant, on participe pour la quatrième fois. On essaye toujours de vendre un tout petit peu la Tunisie, de vendre le produit tunisien, on essaie de les inclure. Et je pense que les concours, là, les chefs, ce qu'ils vont faire, je pense que ça doit être médiatisé. C'est une des choses les plus importantes. Là, on a besoin vraiment de ça pour pouvoir vendre notre pays. Et merci à tous d'être venus.